Bonjour à tous, bienvenue dans cette 15e vidéo dédiée à Docker Compose. On va s'intéresser à faire progresser notre script qu'on avait vu dans la 14e vidéo. Ce script a pour but de rassembler un ensemble d'utilitaires ou en tout cas de services pratiques qu'on a besoin de lancer, de popper une fois et puis de les supprimer, et puis on y revient encore, puis éventuellement on peut s'en servir dans des pipelines. On verra dans un pipeline de déploiement pour faire des tests, etc. Donc l'idée, c'est de compiler un script qui génère à la volée des Docker Compose, qui permet de les lancer bien sûr en lui passant des options avec des outils tels que Jenkins, GitLab, MariaDB, Postgres, Prometheus, Grafana, etc., etc. Lors de la vidéo précédente, on avait juste créé le squelette du script plus un premier conteneur, le lancement automatisé d'un premier conteneur qui était une API. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ajouter Jenkins. Donc comme je vous l'ai dit, je ferai pas je vous explique simplement le script. Le script, je ne ferai pas en live parce que sinon on perd pas mal de temps. Vous retrouvez ce script dans le lien de la description et là on va juste le commenter ensemble. Donc lors de la vidéo précédente, on avait vu donc l'entête, le shebang. Ensuite, on avait c'était deux variables. Ici, une variable qui se nomme dir et qui est en gros la home slash l'endroit où vous souhaitez poser tous les fichiers, tous les Docker Compose qui vont être générés ou les data qui peuvent être générés par les containers. Et puis un user qui est le $user, mais ça, c'est le but, c'est simplement d'avoir une variable qui permet, si on souhaite passer autre chose, passer autre chose. Donc ça, c'est deux éléments importants. Ensuite, on a un volet sur lequel qui va être très très important, quoi, qui va être volumineux, qui va contenir toutes les fonctions. Donc première fonction, on va dire, c'est des fonctions qui font partie du squelette du script. Le help, donc là on l'a vu lors de la vidéo précédente, qui permet d'afficher l'aide quand on fait un -h, donc avec un echo qui affiche ce contenu-ci. Dedans, j'ai rajouté deux lignes ici. Donc un -j, --Jenkins, et qui indique que ça permet de runner un conteneur Jenkins, tout simplement. Ensuite, on avait déjà cet élément-là, mais on le complète. C'est la fonction qui permet de parser les options qu'on va passer à notre script. Donc elle s'appelle parseOptions. Dedans, on a un switch case, en gros, où on avait déjà l'option -h que l'on parse. Donc si on passe un -h ou un --help, tiens, d'ailleurs on peut le compléter comme ceci. Hop, là, il manque un tiret ici, voilà. Ensuite, celle qu'on a fait aussi la dernière fois, un -a avec --api, qui permet de lancer la fonction API. Donc là, vous voyez qu'on lance des fonctions à chaque fois ici. Donc ici, on lance helpList, qui est le écho qu'on vient de voir tout à l'heure. Ici, on lance une fonction API qui est juste en dessous, qui lance par le biais d'une commande docker run, hop, là voici cette fonction en dash, qui lance à l'aide d'un docker run notre API de test. Donc ça, je vous invite à aller voir la dernière vidéo pour la découvrir. À la suite du docker run, qu'est-ce qu'on fait? On lance un Firefox -p pour passer un profil. Moi, j'ai créé un profil test pour avoir un Firefox clean quand on lance ces éléments là vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez enlever le -p test. Ensuite, le port, quoi, j'ouvre le 127.0.1 sur le port que j'ai exposé de mon conteneur. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait une redirection de port du 80 vers le 9999, donc j'affiche le 9999, et le esperluette et commercial pour passer le Firefox en background. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a déjà fait. L'autre élément qu'on a fait aussi, c'était une autre fonction qui est la fonction IP, qui permet de lister les IP de tous les conteneurs présents sur la machine. C'est pas très compliqué, c'est cette fonction-ci. Qui fait quoi? Qui fait une boucle for sur un docker ps-q, donc qui liste tous les ID de tous les conteneurs qui tournent. Et sur cette boucle for, on instancie donc une variable i. Et avec l'aide de cette variable i, qu'est-ce qu'on fait? On fait dessus un docker inspect à l'aide de cette variable. Donc ici, on fait un docker inspect, pardon, de $i, et on lui rajoute
un filter en fait, on veut juste afficher l'IP ici. Donc là, on va récupérer l'élément de Docker Inspect et son nom. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui existait déjà. Donc nous, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on va rajouter un -j ou -Jenkins. Voilà. Et on va lancer une fonction Jenkins suivie du point virgule deux fois, hein, c'est le fonctionnement du case. Vous voyez qu'à la fin, ben voilà, si on n'avait pas complété les éléments, ça on l'a vu lors de la vidéo précédente, on propose à l'utilisateur de passer un -h. Donc la fonction Jenkins, c'est le but aujourd'hui de la découvrir. Qu'est-ce qu'on fait dedans? Donc elle commence ici. Cette fonction Jenkins, premier élément, ben on fait un echo dans le vide pour passer une ligne. On fait un echo, on dit qu'on installe Jenkins. On dit ensuite qu'on va faire une première étape qui est la création du directory dans notre dir generator slash Jenkins. D'ailleurs, ça ne doit pas être tout à fait comme ceci. On va regarder. Hop. Voilà, générateur, on l'a déjà dans dir. Donc ici, hop, on va corriger. On n'a pas besoin de mettre générateur ici. C'est juste de l'affichage, hein, celle-ci, ce n'est pas une commande qui est utile puisque ce n'est pas le mkdir. Le mkdir, on le fait juste en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? Dans notre home slash générateur, on crée un répertoire Jenkins. Donc, ce répertoire Jenkins, il va nous servir à stocker tout ce qui a trait à Jenkins. Donc, d'une part, on va créer son Docker Compose. Donc, on dit, voilà, echo, deuxième étape, on crée le Docker Compose et on commence par un echo. Donc, là, bah, dans ce echo, on va implémenter, quoi, indiquer tout le Docker Compose que l'on souhaite générer. Donc, sa version 3, les services, bon, en l'occurrence, j'en ai qu'un, c'est le Jenkins. Donc, je lui donne un nom qui est Jenkins. Je dis que je lance cette image, l'image Jenkins slash Jenkins 2.lts. Je dis que j'affecte un nom à ce conteneur que je vais lancer, donc qui s'appelle Jenkins. Je dis que je lance en tant que user root, donc je le map en 0. Et j'expose plusieurs ports. Le port 8080, qui est le port par défaut de fonctionnement de Jenkins. Le port 443, ça c'est pour le TLS. Et le port 50000 qui permet de faire fonctionner les worker Jenkins. Donc Jenkins a besoin de ça s'il veut fonctionner en mode master slave, on va dire. C'est pas forcément indispensable dans notre cas de figure, mais voilà, on le fait, c'est plutôt une bonne pratique pour les gens qui veulent lancer un Jenkins. Ensuite, on va monter un volume. Donc là, on va utiliser le système de volume de Docker Compose. Donc on va créer un volume qui s'appelle Jenkins Data. Donc on le crée juste en dessous. Ici, vous voyez, là on avait créé un service qui s'appelle Jenkins. Au-dessus, on va créer un volume qui s'appelle Jenkins Data. On dit que c'est un driver local. Donc en gros, c'est sur la machine qu'on va le monter. Avec plusieurs options de driver. Un bind, un type none, c'est-à-dire le type par défaut, et l'endroit où on veut stocker les éléments qui vont utiliser ce volume nommé Jenkins Data. Donc nous, bah, ça tombe bien, on veut le mettre dans $dir, donc la home slash generator slash Jenkins, et on monte donc tout simplement notre volume de cette manière-ci. On indique qu'on utilise Jenkins Data, et dedans on monte var Jenkins Home, c'est-à-dire l'endroit où il y a toutes les data de Jenkins, c'est-à-dire les builds, les logs, etc. Dernier élément concernant le lancement de ce service, c'est qu'on va lui affecter un networks qui va s'appeler Generator, tout simplement pour pouvoir lui affecter un range d'IP, puisqu'on ne veut pas le lancer sur n'importe quel range d'IP, et potentiellement d'autres utilitaires qu'on va lancer avec notre script, on pourra les lancer au sein du même réseau. Donc du coup, en créant ce réseau, bah voilà, on pourra toujours affecter des machines à ce réseau, quoi, des conteneurs à ce réseau. Donc nous, on va créer ce conteneur Generators, donc ce réseau Network Generator, qu'on appelle bien sûr Generator ici. Il est de type bridge, donc on va le créer tout simplement. IPAM config pour définir le sous-réseau qu'on va utiliser. Nous on va utiliser 192.168.168.0/24, et Docker va bien sûr instancier les conteneurs dedans. On redirige ensuite donc la fin du echo, on ferme notre echo,
de double quote, et on redirige tout ça dans notre $dir, donc c'est-à-dire dans slash dans notre home slash générateur, et on écrit tout ça dans un fichier docker compose-jenkins.yml. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a plus qu'à faire? On n'a plus que tout simplement à afficher qu'on va lancer notre Jenkins, et on fait un docker compose-f pour indiquer le docker compose qu'on va lancer. Donc on indique notre $dir slash Jenkins, donc l'endroit où on a créé notre docker compose, up-d pour être en mode background tout simplement, et derrière on n'oublie pas de faire notre Firefox pour dire on lance notre Firefox toujours sur notre profil de test et sur le 127.0.2.8080 puisqu'on a fait un remap sur le 8080 et on lance en mode background. Donc nous on enregistre, on va lancer donc pour tester générateur -j, on a dit. Donc là il est en train de faire le travail. Donc moi j'avais déjà téléchargé l'image pour gagner un petit peu de temps. Alors c'est Jenkins, hein. Donc là il vient d'ouvrir, on pourrait mettre un petit slip entre les deux, il vient d'ouvrir directement le Firefox aussitôt, et Jenkins il faut un petit temps pour être up. Donc à la rigueur, ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, c'est dans le générateur ici on va lui rajouter un slip de 15 secondes on va dire, voilà, et on enregistre. Voilà. Donc nous on va revenir sur notre Jenkins qui va se lancer. Alors ça met plus ou moins de temps suivant vos machines, etc., etc. Hop, voilà, donc là il est up et il nous dit voilà, nous on a besoin à la première connexion d'ajouter un token d'administration. Donc nous il est dans le docker logs Jenkins. Voilà. Donc, si on fait un docker log Jenkins, on a ici ce fameux token qui apparaît systématiquement dans les derniers logs du conteneur qu'on vient de lancer. Donc nous on clique sur continue et là on installe suggest plugin. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps parce que j'ai pas beaucoup de réseau. Si ça met trop de temps, on va arrêter et on reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Vous voyez, bon, ça met un petit peu de temps à charger. Voilà, donc le Jenkins est en train de se lancer. L'idée, voilà, c'est de pouvoir popper un Jenkins quand on le souhaite. Ça, c'est plutôt sympa. Petit clin d'œil à Sim, qui est un collègue qui m'a montré ça. C'est assez pratique. Et puis, bon, on verra d'autres vidéos pour voir d'autres utilitaires qu'on va installer. Ça a l'air d'avancer quand même correctement. Bon, on va en rester là. J'ai pas envie de faire une vidéo qui dure trop longtemps. Jenkins est en train de se lancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à me dire vous quel type d'utilitaire vous aimeriez voir retrouver popé de cette manière-ci que je n'ai pas cité. Ça sera peut-être l'occasion de compléter. Je sais pas, un Rocket Chat par exemple, j'ai pensé, un Redmine, ce genre de choses. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.